Et on vous demande une fois la présence de l'équipe de Dénard.
Chantons donc le titre de la musique de Céleste.
Est allé s'imposer 56-100 mercredi soir à Lombos Cascais pour sa cinquième rencontre de Coupe d'Europe, gardant ainsi bien précieusement son brevet d'invincibilité, avec en plus encore un gros score à la clé.
Déjà vainqueur à l'aise à l'aller, les Brennoises n'ont pas éprouvé beaucoup plus de difficultés à prendre leur distance mercredi soir face aux Portugaises. L'écart n'entrera peut-être pas finalement en ligne de compte pour le ranking avant les huitièmes de finale, mais les filles des Nars Zvirgdinsk ont voulu dès le début marquer leur territoire. Céleste Traan-Davis avait ouvert la voie pour les championnes de Belgique alors que Kim Mesdak lui avait emboîté le pas. Castor Brenne ne laisse surtout aucun espace à son adversaire et il fallut attendre près de 3 minutes avant le premier panier portugais. Annette Steinberger avait continué à creuser l'écart pour les Brennoises et Céleste Traan-Davis faisait parler sa pointe de vitesse. L'autre joueuse américaine de Brenne, Sydney Spencer, n'avait pas tardé non plus à trouver ses marques dans la frigorifique salle de Cascais et par deux fois, elle trouvait la bonne distance pour fixer déjà un 5 à 17 alors que l'on ne jouait à peine que depuis 5 minutes. Mais la joueuse du match mercredi soir, ce fut Merike Andersson. Dans tous les bons coups, l'Estonienne avait de suite trouvé la confiance et dynamique en diable, elle ajustait. Par deux fois rivalisant avec Sydney Spencer, les deux Brennoises allaient en effet s'offrir un chassé-croisé qui affolait un peu le marquoir. Ce 8 à 30 marquait déjà la partie et les Brennoises pouvaient se concentrer sur les modifications de leur jeu apportées par leur coach letton. Les Portugaises avaient du mal à émerger, surtout que Céleste Traan-Davis, auteur de 16 points, 11 rebonds, mercredi soir poursuivait son travail de sape et que toute l'équipe brennoise allait en fin de compte apporter quelque chose dans cette rencontre européenne à sens unique en terre portugaise. Julie Allemand allait porter le score à 17-42 et Marjorie Carpreo, qui gagnait encore en rythme, s'infiltrait dans la défense portugaise qui avait bien du mal à contrer les assauts brennois. Que ce soit par Sydney Spencer encore, 23 points sur la soirée, Manon Grzesinski ou Marjorie Carpreo, qui allait placer le marqueur à la pause à 24-54, 30 points d'avance et pas grand-chose à redire. En première mi-temps, on a eu un petit peu de mal. En tout cas, premier carton, ça a été bien. Deuxième carton, moins bien. Troisième aussi, mais bon, voilà, on termine bien avec 100 points et avec plus de 40 points, c'est ce qu'on voulait. On devient exigeant aussi. Il y a un écart de 30 points qui se forge, mais le coach demande toujours quelque chose de nouveau. Il y a des nouvelles choses à intégrer. Oui, je pense qu'il demande des choses nouvelles parce que ben voilà, il sait très bien qu'on en est capable. Et si le niveau en dit long, on devait être au-dessus. À un moment donné, on leur a laissé marquer plus de points. Dans le troisième quart-temps, je pense qu'ils le gagnent. Donc ça, on doit un petit peu faire attention. Maintenant, il faut retenir la victoire en plus à 100 points. Donc c'est très très bien. Le troisième carton est en effet traditionnellement le moins brillant côté brennois, même si Merike Andersson en avait remis une couche dès la reprise. Les Portugaises vont en effet remporter la mise à l'issue des 10 premières minutes de cette deuxième mi-temps. Pas de quoi remettre en question la domination brennoise ou inquiéter autre mesure Céleste Traan-Davis, mais les Brennoises marquaient le pas, c'est sûr. Et même si le marqueur indiquait toujours un autoritaire 33-60, ce sera en fin de compte 44-69 à la demi-heure de jeu. Kira Linsken s'était lancée dans le bain et Sydney Spencer ajustait encore à 3 points. Mais la figure de la soirée, c'était donc bien Merike Andersson qui pouvait filer vers une belle fin de rencontre. L'écart allait encore grandir, passant de 51 à 88 à 3 minutes du terme à 56 à 100. Au coup de sifflet final, c'est dire si les Brennoises ont joué le jeu jusqu'au bout en pensant déjà à l'avenir. Of course I'm happy and... But we start very well, but some moments we maybe take it so easy and they want to catch us. But thanks God, finally we
make correct in defense, and that's why we win. At the end, it's an easy win, but it's important also for the rest of the competition. Of course, when we win more, like bigger score, it's good for us for next round. Match utile aussi pour l'avenir. Utile parce que voilà, ici Charleville, j'ai entendu qu'ils ont juste gagné de 5 points. On ne sait jamais, il faut vraiment terminer le round avec 6 victoires. Donc il faudrait gagner contre les Hongroises à la maison, c'est sûr. Une belle victoire avec un grand écart aussi, c'était l'objectif. On connaît d'autres résultats dans la journée qui sont intéressants pour Brienne aussi au niveau du ranking. Prochain objectif, c'est faire de même contre Miskolc. Oui, exactement. Je pense que Moscou a été perdue à Mersin. Et voilà, il faudra absolument gagner contre les Hongroises pour pouvoir jouer le deuxième match à domicile. Et ça, c'est super important, comme quoi il faut vraiment jouer jusqu'au bout, comme Julie a pu le démontrer, pour pouvoir marquer le 100e point. Castor Brenne est allé. Kim, Patrick et le président. Donc ça, c'est le premier plateau. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Ready?
Thank you.